Et salut à toutes et à tous, c'est MeTooNoGames, et bienvenue les amis, bienvenue dans le 23ème épisode de Arc The Island. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, car aujourd'hui, on se retrouve à nouveau en facecam comme l'épisode de Scorched. D'ailleurs, vous avez bien apprécié, ça me fait plaisir, et du coup, de temps en temps, voilà, on va mettre des petits épisodes en facecam par-ci par-là. Et en plus de ça, les amis, regardez-moi cet écran. Est-ce que vous ne trouvez pas, malgré qu'il fait nuit et que c'est l'obscurité la plus totale, que cette image est absolument super nette? Regardez-moi les détails de l'herbe, des arbres, comparé aux anciens épisodes, les amis. Il y a une grosse différence, tout simplement parce que j'ai pu bidouiller un petit peu mon PC pour avoir des paramètres graphiques absolument au top. Je suis échelle de résolution maximum, qualité du ciel maximum, maximum pour le niveau de maillage, donc ça c'est les éléments les plus importants. Et surtout, l'anticrénelage, je suis également en ultra, ce qui me donne une image absolument super précise. Et ça c'est vraiment cool. Regardez-moi les détails par exemple de la selle de licorne, de la licorne en elle-même. Tout est absolument super net et j'espère que ça va vous faire plaisir, ce petit gain, on va dire, en qualité. En tout cas, voilà, moi je suis très très content. En tous les cas, les amis, aujourd'hui, on n'est pas là pour apprécier la charte graphique du jeu. Oh non, aujourd'hui, il est temps d'aller faire du tamming et pas n'importe quel tamming. Aujourd'hui, il est temps d'aller combattre et tamer le grand, le magnifique Gigano. Oh yeah, j'ai tellement hâte, si vous saviez. D'ailleurs, j'ai pris un petit peu de viande histoire de remplir mon Argentavis pour pas qu'il crève de faim. Et d'autre part, pour pas qu'il mange la viande de mouton que je vais lui donner, parce que oui, on va prendre du mouton avec nous. J'ai exprès reproduit d'ailleurs mes moutons pour tuer ce cher et tendre qui a grandi. Voilà. Je suis navré de ce qui va t'arriver, mais il va t'arriver des trucs, mon gars, t'imagines même pas. Ouais. La lance ira plus vite. Voilà. Parfait. Ok, bon, je suis navré le mouton. Hein, tu m'excuseras, mais là pour le coup. Pour le coup, je suis trop lourd. Bon, allez, on laisse tomber la fourrure. Toi, tu vas prendre un petit peu de viande de mouton. Ça dure combien de temps? On a 36 minutes pour aller tamer un Gigano. Je pense que ça doit être faisable. Je pense que ça doit être faisable, pour autant qu'on trouve le Gigano rapidement. Parce que comme je vous l'ai dit, je sais pas trop où il est. Donc, on va faire ce qu'on peut. Alors, tant pis pour la fourrure. Au pire des cas, on fera d'autres moutons. C'est pas un souci. Aujourd'hui, je suis censé avoir tout dans mon inventaire. Des narcotiques, des fléchettes tranquillisantes. Un œuf de T-Rex, je sais pas pourquoi. D'ailleurs, on va le mettre dans l'argent. Hop, ça, dans l'argent. De la biotoxine également, j'ai deux fusils, j'ai également une arme pour me défendre si jamais le Gigano fout la merde avec d'autres dinos. En tous les cas, normalement, on est censé être bon, on est censé tout avoir, on va aller placer le piège, et puis on va pouvoir partir sur du tamming, qui je l'espère va bien se passer. C'est normal que la viande dans mon inventaire pourrisse, hein, du moment que c'est pas celle-ci qui pourrit. Ça me va bien. Eh ben écoutez, on va partir de nuit, le temps de préparer le piège, tout ça, et quand il fera jour, je pense qu'on va pouvoir commencer la phase du tamming. Oh yeah! Oh my god, les amis, il est beau, il est magnifique! Alors, je sais pas quel level il est, par contre, on va regarder ça. Level 70. Et par contre, il y a un con ici, level 55. Oui, ça c'est pas dans le plan. Eh ben écoutez, vous savez ce qu'on va faire. On va simplement attirer la bête un peu plus loin. Alors là, il a l'air d'être assez à plat. Malgré tout, alors, on va réfléchir où est-ce qu'on va pouvoir mettre le piège. Gigano, tiens-toi prêt. Alors, on va l'attirer. Ah putain, mais il y a tellement de cailloux par là, ça va être le bordel. Ça va être le bordel pour l'attirer par ici. Je réfléchis. Oh. Oh oui, par là, ça a l'air plutôt pas trop mal, écoutez. Là, ça a l'air d'être un joli petit endroit assez plane. Sans trop de cons, évidemment, j'ai un peu froid. Oh, d'ailleurs, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais en tout cas, on a les bottes tech. Les amis, ça a été fait en live. Et c'est plutôt pas mal, ça coûte un peu cher quand même, mais c'est plutôt pas trop mal. Alors, du coup, il est temps d'en placer le piège, et bim, et de une porte, ok. On va placer la deuxième porte, oh là là, je sais pas vous, mais moi, j'ai ça la couille dans le poitier là. Est-ce que là, on est pas mal? Là, hop, on va mettre un peu plus, ok, par contre, un peu plus dans ce sens-là, encore un petit peu. Ah, là, c'est pas mal, là, on devient bien. Ok, on va le placer ici, bim. Ok, tac, un peu plus en arrière, ouais, plutôt ici, ok, là je pense que le piège est bon, le piège est placé, maintenant on va placer également les pièges à ours, on va amener le Gigano dedans, on va refermer ça et on va le tamer, ça c'est le plan, voilà, c'est l'idée, j'espère que ça va bien se passer, on va mettre des pièges à par ici, des pièges également par ici. Voilà, encore un piège par ici, un petit par ici, et un dernier
Par ici. Voilà. Écoutez, là, je pense qu'on a le temps de refermer derrière lui. On croise les doigts. Ça devrait bien se passer, je l'espère. Je sais pas si vous avez la confiance, mais moi pas. Ça craint. Allez, petit, viens par ici. Allez, allez, mon petit, viens me bouffer. Oh oui, tu m'as vu. Oh oui, que tu m'as vu. Oh oui. Ah bah non, t'as pas. Mais t'as pas vu le bon, espèce de gros débile. Et tu vas pas partir de ce côté de la montagne quand même. Non mais viens me chercher moi. Ouais, là il devrait me voir. Là je pense qu'il devrait me voir. Est-ce que tu me vois? Youhou! Non non non, passe pas de l'autre côté de la montagne. Après comment tu vas faire pour revenir? Oh putain, j'ai placé. Oh non, mais non, mais non, espèce de gros débile. Viens là, viens là. Hé, du genou! Hé oh! Je suis là! Viens me manger! Qu'est-ce qu'il fait? Oh, je crois qu'il m'a vu. Oh, Dame! Ok, il m'a vu. Il m'a bien vu. Wow! Wow! Oh non! Oh nom de Dieu! Oh nom de Dieu! Oh putain! On est mort. On est foutu. On est foutu. Les carottes sont cuites. Heureusement, j'ai les bottes tech. Ça m'a permis de sauter. Oh. Oh nom de Dieu! Oh nom de Dieu! Ah, ben voilà. Eh ben voilà, c'est le premier fail. Ah, oh, il m'a bouffé d'une. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, les amis. On va rechercher un autre piaf et un piaf un peu plus rapide, par contre. Je vais opter pour un Tapejara. Je pense que ça peut être beaucoup mieux. Bon, les amis, on est de retour sur les lieux du crime. Il est temps d'aller retrouver notre stuff et de peut-être décaler un petit peu le gigano avant. Et après, on va voir ce qui va se passer. Mais normalement, ça devrait bien se passer. Je l'espère. Je l'espère. Techniquement, ça devrait bien se passer. Il va juste falloir retrouver le stuff avant. Mais on a bien couru, on a bien couru, on l'a amené près du piège déjà, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, le problème c'est qu'il doit sûrement être assis sur mon stuff. En mode, c'est quoi qui vient le récupérer là, l'autre con? Ah oui, qu'est-ce que je disais? En plus, il y a l'alpha pas loin. Oh, mais il n'y a rien qui se passe comme prévu. Ok. Ok. On va reprendre la. Ah oh, putain, puis il y a cet alpha là. Allez, on va se poser 2 minutes ici. Est-ce qu'il reprend la stam quand il est posé comme ça? Oui, il reprend la stam. Parfait. Ok, j'ai le gigano dans le coin de. Dans le coin de ma vision. Ah putain, là vraiment, je pourrais pas récupérer le stuff tout de suite. Faudrait que je l'amène un peu plus en arrière. Ouais, ok, il récupère rien du tout sa stam ici. On va le faire prendre ici. Là, ça devrait être mieux. Est-ce qu'il m'a vu? Non, il m'a pas vu. Ah si, il m'a vu. Ok, on y va. On y va, les gars. On y va. Ok, suis-moi. Suis-moi, Gigano. Viens par là. Allez, viens. Est-ce qu'il suit encore? Ouais, à moitié. On va refaire un demi-tour. Allez, reviens par ici. Ok, nickel. Va pas dans le piège, hein, par contre. Pas tout de suite dans le piège. C'est pas l'heure d'aller dans le piège. Ok, là maintenant je vais remonter tout droit comme ça, il va pas pouvoir me suivre. Je vais techniquement pouvoir aller chercher mon stuff. S'il n'y a pas l'alpha qui vient m'emmerder. Non, il a l'air occupé là, l'alpha a becqué son truc. C'est plutôt une bonne chose. Il risque même d'attaquer l'autre Argent. Excellent. Le Gigano. Oh, la pluie! Normalement, là j'ai le temps. Récupération du stuff. Ok. Monte. Très bien. Les bottes. Bon ben voilà. Ça en vire et il reste du stuff. On n'a plus. Bon. Maintenant, il faut amener le gigano dans le piège. Et ça, c'est pas gagné. Non, non, gigano. Viens ici, viens ici, viens ici. Viens me retrouver. Viens là. Là. Allez, viens. Viens là, mon petit. Il va aller tout seul dans le piège ou je rêve? Oh, j'ai tellement cru pendant 2 secondes. Non, hé, du con! Et du genou! Non, il vient pas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, oh, en plus le brouillard! Ça, c'est con par contre! Gigano! Allô? Allô? Gigano? Qu'est-ce que tu fais? Gigano! Et du genou! Il est con ou il est con? Wow! Ok, il m'a vu! Wow! Oh putain, ça fait mal. Ok, est-ce qu'il vient par là? Ah, mais non, mais repars pas en arrière, gros débile! Hé, du gland! Allô? Il en a rien à foutre de moi. Mais qu'est-ce qu'il attaque? Mais qu'est-ce qu'il fait? Allô? Ok, il revient. Oh putain, il est tombé. Ah, le con, il est tombé de la montagne! Il est où? Il est où? Ok, il est. Ah putain, il faut tout le remonter. Oh là là, ça va être compliqué ça. Ça va être très compliqué.
Ok. Il est juste là. Il est juste là. On va l'amener un maximum. Ok, maintenant, il n'y a plus qu'à faire un demi-tour. Et il devrait pouvoir nous suivre dans le piège. Alors, on espère. Allez. Allez, allez, allez. Allez, viens, suis-moi. Ok. Est-ce qu'il me suit, moi? Gigano? Gigano? On n'a rien à foutre. Ok. Viens dans le piège. Dans le piège. Ah putain, il y a des cailloux qui l'emmerdent. Vite, par là, par là, par là. Merde, il a fait le tour. Ah putain, il a fait le tour. Ah le salaud. Ah le salaud. Putain, on y était presque. On n'y était vraiment pas. Ok. Tentative numéro 2. Allez, viens. Viens là, mon petit. Viens là. Devrait me voir. Ouais, il m'a vu. Il m'a vu, il m'a vu. Ah oh, putain, il était trop bas. Il arrive, il arrive, il arrive, il arrive. Ah putain, à chaque fois que je vole en fait, il n'y en a plus rien à foutre de moi. Ok, là il vient. Putain, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce que tu fais? Ah! Ok, les amis, il est plus très loin. Il est plus très loin du tout. Avec un peu de chance, il va me repérer. Il vient par là. Ok. Allez, viens. Viens m'attaquer. Mais gros débile, mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi j'ai fait ça aussi où il y avait des cailloux? Mais quelle idée! C'est bon, là il devrait arriver. Il devrait arriver. Allez, viens sur moi. Oui! Oh putain, il est dedans! Il est dedans! Ok! Ok, il est dedans! Vite! Vite, vite, vite! Ok. J'espère que j'ai bien mis. J'espère qu'il est enfermé. Normalement, on est bon. Oh putain, j'ai peut-être mis trop d'espace. J'ai peut-être mis trop d'espace. J'ai peut-être mis trop d'espace. On va attendre la fin du piège à ours. J'espère que ça va le faire. J'espère que ça va le faire. J'ai peut-être mis un peu trop d'espace. Il y a encore un dernier piège. Ça devrait être bon. Est-ce qu'il peut s'échapper? On va voir. Ok, ça a l'air bon. Ça a l'air bon, les amis. Eh ben écoutez, que le timing commence! Et pan! C'est long, mais vous imaginez pas à quel point c'est long! Je lui ai mis une trentaine de flèches déjà, mais il lui en faut au moins 200. Au moins 200! Oh là 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 là! Bon! Par chance, c'est une femelle. Ça, c'est plutôt bien. Comme ça, on va pouvoir tamer des oviraptors avec ses œufs. Vas-y, le fusil. Fusil, c'est quand tu veux. Voilà. Et pan. Ouais, comme je vous l'ai dit, c'est très long. Très, très long. Oh, les amis, il attaque plus la structure. Ça veut dire qu'il est à moitié en fuite. Là, il sait pas trop. Il hésite un petit peu. Je pense qu'il n'y en a plus pour très longtemps. Il n'y en a plus pour très, très longtemps, les amis. Ça devrait aller assez vite. Par chance, j'ai les copains qui m'ont dit où trouver un mouton. Du coup parce qu'on a perdu le mouton qu'il y avait dans l'Argent et même le mouton aurait périmé. Donc du coup on ira, il est pas loin, il est du côté du glacier là-bas au fond. On essaiera de le trouver pardon. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre que toute la torpeur descende. Une fois qu'elle sera en bas on fout plein de narcos. Et le temps que ça remonte tranquillement on va pouvoir... Oh j'ai quitté l'écran, n'importe quoi. Donc ouais, le temps que la torpeur descende on fout les narcos. Ça va remonter tranquillement. Et là à ce moment là on va aller chercher le mouton, le tuer et lui donner le mouton. Environ 20 minutes pour le timing, donc ça va le faire. Par contre là j'en suis bientôt à 100 flèches les amis. Ça va bientôt s'endormir je pense. Oh oui. Oh, cette fois il est de plus en plus en fuite les amis, il essaye de partir, il n'arrive pas. Donc il va bientôt dormir, techniquement il va bientôt tomber. Allez, on y croit. On y croit dur comme fer. Ça devrait pas tarder. Alors on va pas s'en rapprocher, ça a aucun sens de s'en rapprocher pour l'instant. Il peut se retourner et nous bouffer, donc c'est complètement crétin. Mais on en est plus très loin, on en est vraiment plus très loin. Là il est complètement buggé, il est au bout de sa vie. Est-ce qu'il a pas marché dans le dernier piège à ours? Parce que je crois qu'il en restait un. Ah peut-être. Oh là ça fait flipper. Oh ça fait flipper parce que l'espace ici il est super grand. Il pourrait, s'il était un peu plus agile, il pourrait clairement passer le petit trou qu'il y a. Mais bon, pour l'instant, ça va bien. Ouais, là, les amis, il est au bout du rouleau. Il est au bout du rouleau. Oh, on y est presque.
Allez, je vais essayer de lui viser dans les oreilles. Ah, il rattaque le truc. Oh non, tu n'attaqueras pas. Oh non. Allez, dans l'oreille. Pan. les petits challenges. Allez, on essaie de viser l'œil. Oh, ouais, dans l'œil. Allez, tombe. Il va pas tarder à tomber. Allez, tes paupières se font lourdes. Lourdes, très très lourdes. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Il est complètement au bout de sa vie, là. Ouais, de temps en temps, il essayait un coup de morsure, mais là, il sait plus où il est. Là, il sait plus comment il s'appelle. Là, la narcose, elle augmente. Là, il commence à être complètement pété, le T-Rex. Il va pas tarder à tomber. Allez. Petit coma. Non. Allez, recharge le fusil. Fusil. Allô, allô. Par chance, on n'a pas été attaqué. Il n'y a pas eu trop de cons dans le coin. Ça, ça fait plaisir, par contre. D'ailleurs, on pourra aller se faire le raptor après. Après, on se fera aussi le raptor. Au pire, on peut le faire à l'après-mite. L'après-mite, c'est 24 minutes. Oh, l'efficacité est la même à l'après-mite en vrai. Donc pourquoi pas se faire le raptor, hein, au pire. Au pire, on peut se faire au raptor. Ouais, je pense qu'on va faire ça. On va aller tuer le raptor alpha, ça va nous donner masse primite. Et ça nous évitera d'aller chercher le mouton à perpète, on pourra le surveiller. Ça a l'air d'être un bon plan. Allez, par contre, toi, tu vas faire dodo ou comment ça se passe? Allez, dodo! Nameo! Oh, que oui! Ça y est, les amis, il est tombé. Excellent! Bon, alors, on va s'en rapprocher. Hop! Voilà. Ok. On va surveiller la torpeur. Il a 51 400 de torpeur. Ça descend très vite. Donc je vais attendre que la torpeur, ouais, ça soit autour des... Ah là, à la moitié, on va dire. On va dire... Oh putain, la vitesse à laquelle ça descend. On va attendre que ça descende beaucoup. Ensuite, on lui fout bah, tous les narcos. Hein, tous les narcos. On va garder encore la biotoxine. J'ai peut-être pas envie de lui mettre. J'ai peur que ça monte trop vite, la torpeur, et que du coup, après, ça descende. Oh, quoique. Écoutez, on met tout. On met tout. On va surveiller tout ça. On va lui foutre la torpeur. Et ensuite, on ira s'occuper bah, du coup du raptor ou les trucs comme ça. Ça va le faire. On y croit, les gars. On y croit. Ok, les amis, on est de retour à la maison. Avec mon chat qui fait des conneries à côté. Salaud. Alors, du coup, il est temps d'aller tuer un de mes moutons, malheureusement. Tant pis, on fera des petits. On va tuer une des femelles, là. Bim, bam. Et bah voilà. Et on va venir le becter avec l'autre piaf. Alors, en attendant, on va vite mettre... tout ce merdier, nion, hop, voilà, on va juste garder ça, on va le mettre là-dedans, je vais vite aller me chercher une petite jaquette, une petite laine, parce qu'il fait froid là-bas et je suis complètement à poil avec mes chaussures tech, du coup, on va vite aller chercher donc un petit tissu pour se tenir un petit peu plus chaud, et ensuite, on prend le pteranodon pour aller beaucoup plus vite, on revient au gigano, et normalement, tout devrait bien se passer, je l'espère. Alors, la petite... Putain, et c'est le temps contre la montre, les amis, je vous raconte pas. Hop. Voilà, voilà, ça c'est parfait. Bah écoutez, on n'a pas besoin de plus. On y va. Voilà. Le pteranodon, je crois qu'il est là-bas. Yes. Yes, yes, yes. Hop, on le prend. On becte un petit coup de mouton. Il lui en faut 9, je crois. Et mais ça suffit, le chat, arrête tes conneries. Bon, et du coup, comme ça, on a la viande, on se casse au gigano. Et ça devrait faire l'affaire. Alors, je sais qu'il y a une attaque chez moi, j'en ai rien à foutre de ce que c'est. J'ai plus important dans la vie. Ok, les amis, on n'est plus qu'à quelques mètres du gigano. Il est temps d'aller voir s'il dort encore. Putain, j'espère vraiment qu'il dort encore. J'ai également mis de la viande dans le terrain parce qu'il était en train de bouffer le mouton, donc c'était un peu con. Je pense que là, il dort encore. Je pense qu'il dort encore. On va le voir tomber. Ouais, c'est bon, il dort encore. Excellent. Encore 4 minutes, les amis, environ. Oh, quoique non, là, il devrait se réveiller en vrai. Ah non, 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 encore un petit moment. En tous les cas, on va lui mettre la viande de mouton. Et ça devrait faire l'affaire. Je pense que ça devrait faire l'affaire. Bonjour, monsieur le gigano, où en êtes-vous? Oh, ton inconscience, elle monte tellement pas en vrai. Hop, voilà pour vous. Excellent. 23%. 34%. 46%. 57%. 69%. 81%. 92%. Ah, ah bon, c'est pas pour tout de suite. Bon, en tous les cas, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, tout ça. On est bien content. Ouais, il y aura plus besoin de narcos, je pense. Juste pour être sûr, peut-être lui... Non, pas lui mettre les dernières narcos. Bon, on va attendre patiemment. Alors, attendez, si on regarde le gigano, il faut juste trouver l'endroit pour accéder à son inventaire. Ah, voilà, parfait. Ok, donc c'est quand c'est 4030, techniquement, il devrait être tamé, je l'espère. Allez les amis, normalement il devrait se réveiller dans 5...
Ah bah il se réveille maintenant. Bah écoutez, ça va aussi. J'étais prêt à faire un décompte et tout. Bon, très bien. Écoutez, level 104, c'est de la bonne bait, ça. Je crois qu'on peut casser ça. Oh, t'es magnifique, mon coco. T'es magnifique. Allez, je vais t'emmener à la maison. On a un petit bout de chemin à faire, mais j'espère que ça va. Oh putain. Attends. Ouais. Ouais. J'ai un peu trop de métal. Bon, au lieu de balancer ça, j'aurais pu le mettre dans le giganon, en vrai. Attends. Tiens, tu vas me servir à quelque chose, en fait, hein. Tu vas me porter ça, tu vas me porter ça. Et, tiens, je vais te... Je suis désolé, le... Ah merde, j'ai balancé la... quel con. Bon, c'est pas grave. De toute façon, tu vas sûrement becquer des trucs en chemin. Allez, c'est parti. On rentre à la maison. Oh, que yay. Ça veut rien dire, cette phrase, mais c'est pas grave. Bon, les amis n'arrivant pas à le faire traverser le marais parce qu'il n'arrivait pas à passer devant les arbres, j'ai décidé de me suicider. Et pour le coup, je suis revenu avec la selle de Gigano. Rappelez-vous, j'avais trouvé la selle rare de Gigano et ça, c'est plutôt pas mal. J'ai également le schéma de la selle mythique. Mais bon, pour l'instant, ça coûte un petit peu trop cher pour la craft. Donc du coup, on va aller simplement avec la selle rare. Et pour le coup, on va pouvoir le faire traverser le marais un petit peu à notre guise. Et ça, c'est vraiment plus cool, je trouve. On est mort pas trop loin, mais le problème c'est que ouais, pour traverser le marais ici, c'est juste impossible. Croyez-moi, c'est impossible. En mode suivi, dans le sens où dès qu'il voit un arbre, il fait demi-tour. Et à chaque fois, il fait demi-tour au lieu de casser les arbres et passer. Ouais, on va le prendre à la main, ça ira beaucoup mieux. Alors, techniquement, il est plus très loin. En plus, il y avait un beacon jaune pas trop loin. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Et c'était pas évident de mourir, hein, je peux vous le dire. Je me suis finalement noyé pour mourir parce que c'était un peu plus simple. Gigano, il doit être dans le coin techniquement. Il doit être là-bas. Oh oui, il est là-bas. Oui, parce qu'on est passé à côté de la Redwood. Il est juste là-bas. Il doit être en train de bouffer un petit peu tout ce qui bouge, mais bon. Et j'ai également mon Ptera dans le coin. On va tout prendre en suivi. Et on va monter sur le Gigano. Ça ira beaucoup mieux. Oh, il a le gros dos qui sort. Magnifique. Magnifique. Alors, le stuff. Le stuff, voilà. Hop, excellent. Tout récupérer. Parfait. Toi, en suivi aussi. Et du coup, hop, on va monter directement dessus avec la selle. Oh, ouais, cette fois, c'est cool. Alors, ouais, par contre, là. Excusez-moi. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je tape? Ah, merde. Mais pourquoi le piaf il l'attaque? Bon, attends, on va le siffler passif parce que sinon c'est un peu un débile. Ok. Ah ouais, mais vraiment, il peut pas passer à travers le marais, j'ai l'impression. Un handicapé de première classe. Bon, excusez-moi. Je ne fais que passer. Pardon. Oui, bon, c'est vraiment pas pratique en vrai. C'est vraiment pas pratique ce marais. Mais bon, au moins on a trouvé un passage. Allez, mange. Mange le paracère. Voilà. Bonne bête. J'adore. Ok, mesdames, messieurs, j'ai le plaisir de vous dire qu'on est arrivé à la maison. Alors, en attendant, on va le poser par ici, le Gigano, à côté du Quetzal. Magnifique! Excellent! Il est superbe. Alors, juste enlever le suivi, voilà. Ensuite, on va sauter comme ceci, comme ça. Oh! On va se calmer tout de suite, là. Je sais que tu veux des gratouilles, mais tout de même. Oh, tu vas te calmer, hein? Bon, eh bien, écoutez, les amis, on a une bien belle bête par chez nous. Et ça... Ça fait vraiment plaisir. Ah, je suis très content pour le coup. Bon, et eh bien les amis, c'est ainsi que s'achève cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, le petit pouce bleu comme d'habitude. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, que ce soit sur The Island ou ailleurs. À bientôt tout le monde. Ciao. Bye bye.